Yo! Salut à tous, c'est Yoda et je suis en compagnie de Lady. Salut tout le monde! On voulait, au début de cette vidéo, en profiter pour vous souhaiter un très bon réveillon à tous, vraiment un très bon Noël. On vous souhaite de très belles fêtes, profitez-en bien, amusez-vous, buvez avec modération. Et donc, comme on vous l'avait promis, en fait, suite à la dernière vidéo sur le glitch qui a été patché 2 heures après qu'on ait mis la vidéo en ligne, vous avez promis un autre glitch, donc on avait trouvé pour RP. Voilà, c'est cette vidéo qui arrive aujourd'hui, donc on va vous expliquer un petit peu comment il faut faire. Il faut vraiment être 4 joueurs. Il n'y en a que 2 qui pourront faire le glitch à chaque fois, donc vous pouvez faire des rotations à chaque partie. Il vous suffit simplement de lancer donc une activité, donc vous allez dans En ligne, Activité. Ensuite, vous allez dans Héberger Activité. Vous rentrez dans Créé par Rockstar. Ensuite, dans les captures, et vous choisissez la capture qui s'appelle Red Alamosi. Voilà, elle se trouve en bas du lac, au milieu de la map, vraiment tout en bas sur la côte au milieu. Et donc voilà. Voici Teddy, je te laisse un petit peu expliquer comment on fait pendant cette mission. Alors concrètement, c'est un glitch qui exploite le même bug que précédemment. Il vous suffira simplement de rester en stationnement au-dessus du point de capture. Mais avant ça, il va falloir aller dans le spawn ennemi. Donc vous êtes 4 équipes, il y aura donc 3 spawns ennemis. Et vous allez aller chercher la mallette de l'un de vos ennemis et la ramener dans votre spawn. Et vous allez rester bien évidemment à bord d'un hélicoptère en suspens au-dessus de votre point de capture. Donc ce qu'il va se passer, c'est que le porteur de mallette va faire plus 25 XP de façon régulière, plusieurs fois par seconde, jusqu'à ce que la mallette soit définitivement posée. Et vous avez, je crois, jusqu'à 5 fois pour poser la mallette. Ça fait donc il n'y a que 2 hélicoptères, un sur chaque rive. Et ils sont en fait au milieu des 2 spawns sur chaque rive. Et pareil, si vous voulez savoir où vous en êtes précisément, il vous suffit simplement de faire la flèche du bas pour actualiser vos niveaux. Voilà, et il faut savoir qu'au bout d'un moment, en fait, le sac il va se poser. Il vous suffit simplement d'aller en chercher un autre. Donc vous pouvez voir sur la vidéo que Lady, avec un seul sac, elle a réussi à prendre 3 niveaux. Donc du niveau 120 au 123. N'hésitez pas à le faire à partir des levels 70 et plus. Profitez bien du jeu avant, surtout si vous venez de l'avoir à Noël. Sinon, vous allez un petit peu vous gâcher le plaisir, je pense. Et il y a eu le pack de Noël qui est sorti, donc vous avez plein de fringues de Noël qui sont arrivées. Je crois qu'il va y avoir des armes également. Donc on vous laissera découvrir tout ça. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, dépêchez-vous à le faire parce qu'à mon avis, ça va être patché très prochainement. Ils sont vraiment rapides en ce moment chez Rockstar à patcher les petits glitches. Et voilà, on vous fait des très gros bisous et on vous dit à bientôt. Gros bisous tout le monde, amusez-vous bien!